Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette première vidéo de Let's Play sur Total War Pharaoh. On est toujours en live, découvert de Total War Pharaoh le 29 septembre et avec le chat, suite à un vote âprement disputé de 50% contre 50%, on a choisi notre seigneur. On va jouer Supilu Lyuma, dit Supi, dit Jackie, dit Uba Uba le Marsipulami. on va jouer en difficile sur ce let's play. Par contre, je vais laisser les différentes options en vanilla parce que j'ai envie de découvrir un petit peu avec l'expérience originale comment se passe le jeu. On verra éventuellement d'autres campagnes plus tard avec les options différentes. Donc, on va jouer le grand roi du Hati, tourmenté par ses ennemis. On est plutôt orienté défense avec du bonheur et des garnisons puissantes. Par contre, on a beaucoup de bâtiments de haut niveau, ce qui va nous coûter cher. Il a eu quelques surnoms tout au long de sa vie, mais avec ce chapeau, c'est normal, tout à fait. On va jouer plutôt défense, avec de la grosse armure, des unités qui sont là, ils plantent leurs pieds dans la terre et bougent plus. Des ordres pour de la reconstitution. On est déjà roi, ce qui nous donne un gros bonus, donc on gagne plus d'estime. Chaque corne égale un surnom. Ah ouais, c'est pas con, à 4, c'est peut-être ça. Les Indiens, c'est une plume, un exploit. Ici, c'est une corne, un surnom. C'est ça, exactement. Chacun son truc. Ah, c'est vrai que je l'ai pas dit pour la VOD, mais on est toujours bien sûr avec Katox pour cette soirée. Et salut. On va commencer avec 3 avant-postes, un hôtel d'Arina qui sera donc a priori notre dieu de base, un fort et un sanctuaire rocheux hittite. Il nous donne de la légitimité. Ok. Et ça augmente le moral de toutes les unités si on y rend hommage. Très bien. Donc on vénère Arina. Qu'est-ce qu'elle fait, Arina? Ah, grâce à Supi, on a un général dévoué, on a des bonus sur nos bonus, ça c'est cool. Donc on réduit le coût de recrutement, c'est bon ça. Et on augmente les ressources des raids, ça me plaît pas trop, mais bon, la rumeur pourquoi pas. Une meilleure armure, un entretien réduit, ça c'est bien. J'aime le petit texte d'ambiance. À l'aube, les enfants se lèvent et accueillent Arina en imitant les cris de ses aigles. Bah oui. C'est important de crier comme un aigle. Je confirme qu'à l'aube, c'est les cris d'aigle. Au niveau des titres, on va augmenter la défense et la reconstitution, c'est parfait. Lui, il est de type armure lourde, grand bouclier et lance. Ok, donc on va être dans la mêlée avec lui. Muwatali le magnanime. Que nos vassaux restent valables. Ok, pourquoi pas. Bon, bah très bien. Au niveau des unités, on part dans les hautes terres d'Anatolie. Avec des bonnes lignes défensives. Et des lanciers et des chargeurs. Ok. Ouais, c'est plutôt le tank, visiblement, lui. Et bon, on est parti. Je vais vous faire grâce de la cinématique qui est la même. Moi, je l'ai pas cinématique vu, la cinématique du raisin. Tu l'as pas vu, tu veux que je la remette, la cinématique? Déjà vu dans la vidéo découverte. Vous irez voir dans la vidéo découverte, parce qu'elle est longue quand même. Elle est certes sympathique, mais elle est longue. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit du chaos qui n'en finit pas? Il occupe tous mes instants, il hante mes rêves quand je parviens à m'endormir. Qu'adviendra-t-il de Kemet lorsque le grand Merampta aura disparu? Je l'ignore. Qu'adviendra-t-il du Hati quand j'aurai disparu? Je n'ose y penser. La couronne est bien assez lourde à porter sans songer à de telles éventualités, pourtant je la porterai jusqu'à la fin. Chaque jour, mon peuple me pousse à me souvenir que le monde est beau et qu'il vaut la peine d'être défendu. Beau, je ne sais pas, mais je suis prêt à le défendre. Ok. Le Hati est une terre chétive et brisée, dévastée par la puissance de Ramsès le Grand. De sombres nuages rôdent sur cette région fracturée. Supilu Lyuma, le fils du roi Tudhaliya IV, est l'unique clé de voûte qui maintient encore Atuza. Mais le destin s'acharne contre lui. Comment il fait croire que c'est facile en prenant son sang? Même s'il est entouré des siens, les Hittites demeurent un peuple traître et instable. Supilu Lyuma pourrait bien être la seule exception, au contraire de ses voisins. Loin, vers le sud, se cache la plus grande menace de toutes. Un disciple du dieu Ser, qui n'aspire qu'à la chute de Atuza. Mais ce n'est pas le seul péril qui guette cette ville. Nombreuses sont les tribus envieuses
qui sème la discorde dans chaque royaume. Tandis que les Libous s'opposent à l'Égypte, les Phrygiens se rebellent contre Atusa. Quant à Supiluliuma, il s'efforce de lutter contre ces menaces pour protéger son peuple. Je n'éprouve que de la sympathie pour un dirigeant qui tente de reconquérir son royaume ravagé par les Gazga. Il est rare de croiser un homme qui préfère la diplomatie au combat. Encore moins d'en croiser un qui règne d'une main ferme, mais juste. Alors, bon, ça on allait le regarder en détail. Ok, on a quand même des ennemis. Je me demandais justement, parce qu'on n'a pas d'ennemis, vraiment d'ennemis sur les provinces. Mais on a quand même des gens qui sont là pour nous emmerder. Alors, c'est pas une cinématique différente par faction, non. Zikino, la cinématique de départ est la même pour tous, c'est la thématique de la campagne. Après, on a une petite intro doublée, là, différente pour chaque faction, par contre. Et le jeu a une date de fin. Alors, très bonne question, je ne sais absolument pas, Akatsuki. J'ai pas du tout cette info. Est-ce que c'est un nombre de tours? Est-ce qu'il y a une date? Est-ce que c'est infini tant qu'on arrive à tenir face aux invasions croissantes des mecs de la mer? Je ne sais pas. Alors, comment ça se passe? Quelle est notre situation de départ? Donc on est ici, on a déjà une belle armée avec 9 troupes. Deux épéistes vétérans, deux épéistes pas vétérans. Des hommes des tribus hittites. Guerrier tempête. Qu'est-ce donc que ceci? Ok, redoutable dans les pluies, la tempête ou l'orage. D'accord, ils sont remplaçables. Avec un casque. Avec un casque pour récupérer pointe. L'orage. Ça, mais il est en bronze, donc tu vois, ça attire moins la foudre. En gros, c'est du lancier. Et on a un char hittite. Mauvaise défense. Cette unité se défend mal. Ouais, elle est là pour... Tant que dès qu'elle s'arrête, c'est mort, quoi. Mais on est sur du char lourd, quand même. Il manque le choual devant. Bah, il doit être quelque part, le choual. C'est pareil, il n'y a qu'une seule roue. Donc le choual doit être par ici, normalement. Ça en fait des années à jouer jusqu'en 2024. Oui, certes, ça se tente. Est-ce que dans l'encyclopédie, on a... Peut-être cette info, d'ailleurs. J'ai même pas pensé à chercher. Surtout, c'est un tour, une année, ou quatre tours, une année, un truc comme ça. C'est 6 tours une année techniquement, puisque t'étais peut-être pas là, mais quand on regarde les suivants d'Horus, c'est tous les 6 tours. Et globalement, c'est la saison des récoltes, donc ça doit être tous les ans, quoi. Ouais. Ok, donc voilà pour notre armée. Elle coûte un petit peu plus cher que l'armée de Ramsès. C'est du tier 3 ici, c'est du tier 4, lui c'est un tier 4. Commandant, avantage contre les chars, ouais, il a une lance. Il coûte que de la nourriture le seigneur. Ça c'est cool. Bah, je pense que c'est pour éviter de te retrouver dans une situation où tu peux absolument pas avoir de seigneur. Ouais, c'est vrai que ça serait un peu ballot. Bon, cela dit, on est déjà en négatif en nourriture, même si c'est pas de beaucoup. On va faire ça, moins 7 sur 4000, t'as le temps de revenir. Oui, moi on est d'accord. Alors, notre monsieur, il a une armure lourde ordinaire. Un bouclier moyen ordinaire, 6% contre les projectiles, il a lance dorée du grand roi. 4 d'influence. Et inspire la crainte pour les gardes du corps, ok. Et on a rien d'autre pour le moment. 138 d'armure. Alors, je sais pas trop si... Warhammer 3 est une référence, mais ça fait énorme. Bah déjà, tu vois la barre, elle est pleine à full. Ouais, c'est ça, allez, tu sens que bon. C'est bien le blindé. Tank. C'est sûr que tu peux modifier armure, etc. Tu crois que ça change le skin aussi? Quelle que soit la puissance d'un général. Non, mais. Non. Faut pas faire ça. Law and order. Attendez. Il est où là? L'autre là. Parti. Conseil. Rien, merci. Pardon. C'était pas là, c'était ici. Bah écoute, il a plus son bouclier là. Non, on le voit pas là. Bah ça modifie, je pense, le skin sur le champ de bataille.
Ouais. Puisqu'on peut, on peut de toute façon changer l'équipement. Mais on voit déjà que ça change les capacités. Hein. Ouais. Elle a un petit bouclier du coup, visiblement. On est considéré comme avec un bouclier de base, hein, si on n'a pas celui-là. Et là, 45% contre les 25 de base. Bonus contre les unités larges. On perd notre bonus contre les unités larges. Ah, on a la hache céleste. Si on veut. Dégâts mêlés perforants plus 15, relations diplomatiques plus 5 avec les Hittites. On va prendre ça, tiens. Parce qu'au final. Ça m'étonnerait qu'on voit tout de suite venir des chars. Enfin, peut-être une unité, mais pas plus. On a déjà plein de lanciers dans notre armée. T'as perdu une capacité. Du coup, j'ai perdu une capacité. Bah oui, j'ai pu inspirer la crainte, du coup. Ce qui est pas mal aussi, hein. En dégâts bruts, la hache. Ah, la hache, ça fait plus plaisir. On perd un peu de défense. Inspirer la crainte, c'est fort, hein. Mm. Mais le petit bonus de relation, je pense qu'il peut faire plaisir en début de jeu. On va garder ça. Souvent ça dit dans le début de campagne, dans l'Empire. Ah, la date de fin, Akat. Bah écoute, on verra, ce sera la surprise. Moi qui ai pas suivi, c'est quoi les points de canard, de mouton et buffle ? Alors, les points de canard, de mouton et de buffle. Ça, peut-être. Ouais. C'est les capacités de notre général, donc ça. Ce sur quoi il est le plus fort, quoi. Lui il est plutôt ardent. Et bah, à chaque fois qu'on va monter de niveau, on va débloquer des points qu'on va pouvoir mettre dedans. Ça, c'est plutôt ce qu'on trouvait dans les trucs historiques. Hein. On a trois axes sur lesquels on va pouvoir travailler pour améliorer notre défense, notre constitution, ou bonus de charge, notre déplacement, ou l'entretien et l'influence. Avec mes 3 canards, j'ai 6 de déplacement en mer et 6 sur terre, et j'ai pu débloquer aussi ce truc-là, effectivement. Donc ça, c'est un titre. On va débloquer des titres, selon les chemins qu'on va prendre. Et on va pouvoir avoir de plus en plus de titres, et en gros, le titre donne des bonus. C'est un peu les compétences de notre général, quoi. Par exemple, là, on va avoir rang de recrutement pour l'armée, ou... chance d'auxiliaire et putain de bataille, etc. quoi. Et là on a pris tour blessé moins 2 pour ce général et plus 25 XP par tour pour tous les généraux. Enfin pour lui quoi en gros. On peut le déséquiper mais ça nous prend des tours. Mais normalement on peut le changer. Là on voit que ça mettra un tour pour l'activer ce titre. Est-ce que je connais le niveau max d'un général? Non. Je ne sais pas. Ouais, ils ont toujours bien aimé les 30, les trucs comme ça. Ouais, il doit y avoir un équilibrage probablement. Bah, si tu regardes, si tu scroll down. Je crois que c'est un point à chaque montée de niveau. Et t'as des trucs qui nécessitent 13 là, et 13, 26, donc déjà 26. Ouais. 9, 9, 9, 27. On va être sur du 30. Ouais. 30. Inspire la crainte, immunité contre la psychologie. Bon, il m'a l'air très bien ce général. Bah lui non, on peut pas renommer le chef de faction, mais oui, les autres on pourrait les renommer. Attribut obtenu, on est calme, s'obtient en finissant des tours en mode campement. Il est prédisposé à ça. Donc oui, les attributs vont pouvoir aller dans un sens ou dans un autre. Nous donner potentiellement des bonus. Pour avoir un bonus de reconstitution si on reste calme. Ah, ça nous fait quand même 6% de reconstitution en plus, hein. C'est pas si mal. Ok, donc ça c'est pour notre général. Maintenant, la situation initiale, on a quoi? Toute cette zone là c'est à nous, on dirait. Donc on a la province de Hattusa. On n'a pas tout. Il y a ce truc là qui est pas à nous mais qui est pas non plus un adversaire. Et on a du coup plein d'avant-postes si on veut dépenser des sous.
Là, il y a une garnison dans ce fort. Ça se voit ici. C'est pour ça que quand on veut attaquer celui-là, on voit qu'il y a le renfort qui vient. Alors, ici, ils sont pas contents, par contre. Ouais, bah le jeu est franchement très complet. Hein. On n'est pas sur un petit Total War comme ça, torché dans un coin. Hein. Honnêtement, même tu regardes les bâtiments, bon bah il y en a quelques-uns qui vont dépendre des factions et tout. Le premier tour va certainement être assez long. On va mettre en place. Bon, par contre, on perd de l'ordre public, uniquement à cause des taxes, donc il n'y a pas de raid ou quoi que ce soit qui nous emmerde. Du coup c'est intéressant parce que techniquement on peut aller chercher cette armée là, ensuite aller là, récupérer un peu de mouvement. Pour finir notre chemin vers là, peut-être. Ici, on gagne... coup de recrutement, moins 6. Non, ça, c'est le bonus de base. C'est pas marqué. Faut que je prenne mon armée, peut-être, pour savoir. King of Hati. Oui. Revenu des raids, 10%. Pillé occupé, 14%. Ressources de pillé, 14%. Ok. Ça, c'est cool. Là, on pourra améliorer ça si on veut. On peut voir la... Earning trust is not easy. Je peux pas voir la truc. Par contre, on voit que j'ai des murs de base. Ça, c'est bien. Enfin, probablement des palissades. Là, c'est des murs un peu plus grands. Et des renforts d'avant-poste, en plus de notre garnison. Ah, et là, du coup, je peux aller le voir. Ok, si je vais assez vite, ça passe. Des lanceurs de javelot, des guerriers, il y a un général dans chaque ville, ce qui est plutôt pas mal. Le sanctuaire rocheux, il est où? Il est là, ok. Ça donne juste... Ah non, ça donne un peu de légitimité. Pas grand chose. Putain la vache, on a zéro or avec lui. Waouh. Ça va faire... pas de thunes. Great King of Hati. Il va falloir travailler là-dessus. Bon bah on va se lancer déjà pour éliminer ça. Ça me paraît un bon premier move. Donc on a notre renfort qui arrive. Qui est un général carrément. La garnison de l'avant-poste. Avec une hache. Un général tout seul, ouais, tout à fait. En face il a quoi? Homme des tribus, léger, pillard, efficace contre les projectiles. Ouais, du péon avec un marteau en os quoi. Et là, des mecs avec une petite hache quand même. Et lui, catégorie moyen, polyvalent. Une petite sauvegarde rapide, on n'est pas des bêtes. Et on est parti. Voyons voir. Ça a l'air escarpé. Ouais, on a une situation de Supipiliuma 2, ouais. Marrant. Nul ne combat avec plus d'acharnement que celui qui n'a plus rien à perdre. Que représente la renommée et la gloire aux yeux de ceux qui n'appartiennent plus au monde des mortels? Les morts ne chantent pas d'histoire, alors qu'on nous laisse chanter les nôtres. Qu'on nous laisse obtenir la gloire dans la bataille. On va faire ça. Alors, la météo est prévue pour être un temps sec, qui n'affecte pas le champ de bataille. Et prévision, aucune évolution. Ça peut être faux. Hein. La prévision, c'est juste une prévision. Et comme dans la plupart des Total War d'avant, on peut attendre si les conditions ne nous vont pas, mais là ça me va plutôt bien. Honnêtement, ok, on est en hauteur, on a aucun tireur, c'est ballot. Mais on va avoir une bonne position de charge là. Donc, le plan va être assez simple, hein. On va faire une grosse ligne avec notre général aussi, tant qu'à faire. Il va où le général? Il est là. On va même se décaler un petit peu pour éviter de se taper ce truc là. Alors on a une unité de char qu'on va mettre... bah il y a des armes un peu partout alors c'est un peu la merde. On va la mettre là. Et on va garder ces unités là pour flanquer un peu là, peut-être deux là plutôt. Et alors si on zoome un peu pour regarder, parce qu'on peut quand même pas mal zoomer. On va lancer comme ça on aura plus des pop-up. Voilà. J'ai lancé mais j'ai mis pause bien sûr.
Bon, ils ont bien leur hache, hein, les gardes du corps, du coup. Je suis devant, ouais, exactement. Même pas peur. Pas mal, hein. Donc il y a un porteur de bouclier, un porteur de lance et un mec qui dirige le char. Alors il y a une nouveauté avec cet opus qui avait été un peu mis de côté, c'est qu'ils ont refait des combats avec des animations où les ennemis, enfin les gens s'affrontent vraiment quoi. Et c'est du, comme ils appellent, du matched combat. C'est-à-dire que les animations montrent les gens vraiment se taper dessus, emmêler leurs armes, etc. C'est pas juste des animations random qui font comme ça. Allez, on va progresser tranquillou là dans la forêt. Je pense qu'ils vont venir. Non, même pas Hercule. On a notre renfort qui arrive. Mais ça, c'est un renfort dans le fond, on n'oublie pas quoi. Ils vont essayer d'aller se faire le renfort. Non, pas. Non, ils se réanglent. Ils se réanglent. De toute façon, ils avaient pas de tireur non plus. Hein. Non. On a des mecs en armure globalement lourde, donc on va pas les épuiser à courir. Genre toi là, cours pas. Merci. Alors, il a mis ses hommes des tribus devant, des guerriers à la hache. Donc les mecs des tribus, c'est pas du tout de la ligne de front, hein, c'est une tôle le dos en plus. Et Reacta, j'espère que le match se passe bien, je sais pas du tout c'est quoi comme match. Du rugby. Oui, du rugby, mais est-ce que c'est la France ou est-ce qu'il y a rien à voir? C'est du rugby. La Belgique, la Belgique à la Coupe du Monde. C'est marrant, il s'est mis en colonne, tiens. Intéressant. Nouvelle-Zélande, Italie. Les gardes du corps sont là. Donc là, il s'est mis dans une formation en colonne. Il a deux généraux. Il a du garde du corps, il a aussi. Ah non, c'était le. Ok, c'est la sélection qui manquait un peu de précision. T'es parti où toi? Pourquoi t'as fait le tour là? Ah, on pouvait pas passer par là? Ah, ok. D'accord, ça bouge. Ah, ça s'étale, ça fait enfin une ligne cohérente. Ouais, il fait une ligne, ouais. Bah, c'est pas déconnant la colonne, hein, pour pouvoir bouger plus facilement. On va arriver dessus. Ok, qu'est-ce qu'il fait avec lui là? Il tente un truc. Leave them bloody and broken. Following orders. On va courir par là. March, brothers. Le char ils sont en galère, hein, je sais n'importe quoi. Ok, il fait le tour pour nous choper là. Ah, ça me fait pas particulièrement peur, j'avoue. Là. Peur des cagars. On va se mettre là, sur le flanc. Non, c'est nous qui attaquons rien. La charge. Bim. Ouais, bah, faut quand même que je m'occupe de la bataille, excuse-moi. Ok, le général est en train de se faire un petit peu prendre en tenaille. Il a laissé celui-là en renfort, mais on va quand même charger là avec lui. Il est en train de faire le tour avec ça. Ok, c'est parti. On va aller libérer notre renfort rapidement si on peut avec nos chars. Donc voilà, ce que je vous disais, il y a des positions différentes, donc toutes les unités ne l'ont pas. Mais eux par exemple, qui sont relativement lourds, ont la possibilité soit de faire un mur de bouclier, bon bah là du coup, pas en combat, mais on peut leur donner l'ordre de reculer. Voilà, ils se replient vers la zone sélectionnée sans tourner le dos à sa position de départ, ou on peut leur donner de pousser. On dit voilà, avancer, ils vont repousser les ennemis automatiquement qui sont sur le chemin. Et donc après, tout va se jouer sur l'équilibre entre les gens qu'on affronte.
C'est-à-dire que si en face vous avez des mecs légers comme là, on peut réussir à les repousser. Si par contre c'est des mecs en armure lourde, etc., bah ça va être plus compliqué. Alors, j'ai bien envie de dire que toi tu vas charger par là et vous. On peut se faufiler là, on peut peut-être se faufiler. Essayons de se faufiler. Parce que lui, ils sont censés être forts là contre nos mecs en bouclier. Là. On charge de dos, est-ce qu'on va voir s'il réagit. Il réagit. Bon, ça va être logique, mais c'est pas très grave. C'était pas. Notre général est un peu en difficulté là, on va pas se mentir. Alors les chars, ils sont où? Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils sont un peu en galère mes chars, on va les envoyer là du coup. Toutes les petites icônes, bah oui, c'est un des trucs qui faisait que j'ai un peu de mal à accrocher avec les avec 3, c'est que l'interface est, je trouve, pas suffisamment lisible, mais elle fait le taf. En blanc c'est le moral, au-dessus c'est la jauge de santé en gros, et après c'est les petits trucs qui font des effets quoi. Là ils sont confiants, ils ont des pertes, ils sont en difficulté. Et ils ont 0% d'armure. Ils ont 0% de t-shirt, ouais. Tout à fait. Les chars ils ont bien traversé le terrain, notre roi prend cher quand même. Hein. Oui. Lui aussi là tout seul il galère un peu quoi. Les mecs en face sont pas si nazes, on va dire. En plus on a 3 unités qui se galèrent sur celui-là là. Est-ce qu'on peut regarder un petit peu Allez, les mecs en pantalon là, mine de rien, ils sont efficaces hein. Leur bouclier fait le taf hein. Allez, le char. En avant. Break their spirits. Karona guides my hand. Ah, il est en galère lui, hein. Mais on a réussi à se débarrasser d'une unité, visiblement. Il reste plus que le. Que lui. On va essayer de se replier. Le point d'exclamation vert, où c'est un point d'exclamation vert? Ah ça là, ça c'est pour normalement c'est censé être un danger faible. Ok, là c'est la déroute. Là ça commence à céder doucement. On va reculer les chars. On va faire une charge. Ok, ils sont en train de céder. Inquiète, il remue mon couteau dans la plaie. Vilain inquiète. Ça y est, c'est la déroute. C'est la déroute. Alors, nos unités légères. Les envoyer poursuivre des gens, moi ils sont plus que 2. Là aussi. Ils sont 29, là ils sont 17. Ici, on va laisser tomber avec toi parce que t'es un petit peu trop lourd. 44 encore. Non, on va se concentrer sur les. Non. On va poursuivre ceux-là, là on est suffisamment nombreux je pense pour finir ça. Le général est mort. We are exhausted. Non mais ça va oui. Hein? Tu remues pas le couteau, tu es complètement d'accord avec moi. La cavalerie a l'air d'être effectivement un peu fatiguée. On les a terminés, et là, ils sont trop loin. On va terminer la bataille. Tour de justesse, j'avoue, c'est plus de justesse que ce que j'anticipais. T'as perdu 200 bonhommes. Bah ouais. Bon, bah on s'en est débarrassé quand même. On a une deuxième armée derrière, hein, donc attention. On gagne 2 en légitimité hittite. Très bien. Alors. Bah non, on gagne de la nourriture, c'est de la thune. On peut avoir un peu plus de trésorerie. On les tue tous.
Ou alors on les embauche. Ce qui pourrait être pas si dégueu, hein, vu les conditions présentes à les embaucher. Keep them in their bonds. Nous sommes. Nous sommes quelqu'un de gentil et respectueux. Alors, on a gagné un petit point. On pourrait booster la reconstitution, c'est plutôt notre triple reconstitution. L'entretien, c'est pas un problème. Le déplacement, c'est bien aussi, hein, mais un peu de reconstitution. Ça me va bien. T'as des moyens de respécialiser ? De respécialiser ? Non, je pense qu'une fois que c'est fait. Bah là, parce que j'ai pas fermé la fenêtre encore, mais... Oui. Le dernier point que je viens de mettre, mais c'est tout. March on. Ok, on peut échanger. Ça, ça nous donne quoi comme bonus ? Non, c'est vraiment que de la garnison. Permet une armée d'échanger des unités. Les unités d'armée du fort renforcent la colonie. En combat, l'unité la plus gradée, la plus forte sera le général. Et on a gagné 50% des déplacements utilisés, mais bon, on n'a rien fait, ça se voit pas trop. Peut-être mettre ton seigneur en deuxième ligne, voire faire des contournements avec son unité à la hache. Oui, tout à fait. C'est vrai que je m'attendais à ce que son armure lourde, en fait, joue un peu plus, quoi. Mais avec les mecs en face qui étaient armés de hache, ça a bien bien neutralisé son avantage. Beaucoup plus que ce que je m'attendais de voir. Et du coup, il peut avoir des chouaches ? Il y a des montures ? Alors, il n'y a pas de montures, il y a des chars. Du coup, King of Hattie. C'est bien la légitimité, mais où est-ce que j'en... Qu'est-ce que j'en fais ? Soutien du peuple... Putain la vache, on a des bonus de nourriture et on est quand même en négatif. Ça a piqué quand ça va disparaître ça. Pour l'instant on n'a pas débloqué ces trucs là. Je pense que ça va se débloquer au prochain tour. La question étant, est-ce qu'on pousse contre eux ? Ça va être une armée relativement identique. Ouais, voilà, ils font des dégâts perforants. C'est ça qui nous a fait mal. Alors, avant-poste militaire. Non. Un avant-poste administratif. Plus de légitimité. Immunité contre l'usure du désert. Ouais, c'est pas trop le thème. Économique, plus 10% de production de ressources dans toute la province, c'est pas mal. Dans cette région. Et comment on sait ce qu'on produit ? On produit de la nourriture dans le coin. On a quoi ? On a un poste de la milice. Oui, c'est ça, 4, en gros. Effectivement, c'est à peu près le triangle des armes, ouais. On a une caserne d'infanterie. Ah, on a une plantation d'orge de level 3 déjà. Qui donne que 255 de nourriture, hein. C'est pas ouf, hein. On peut faire une boulangerie, on peut bûcheronner du pain. T'es sûr qu'on bûcheronne du pain ? Oui, on bûcheronne du pain. Ah oui, du pain comme ça. Bah bien sûr, du pain comme ça. Tu dis boulangerie et après tu dis pain ! Il y a une boulangerie et du bûcheronnage de pain. Et salut Nardinus, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien. C'est confondant. Hein. C'est confondant la boulangerie et le bûcheronnage de pain. Ah bah. C'est confusionnant. C'est confusionnant. Alors, bâtiment recrue, salle de recrutement pour faire ça. Ça fait quoi ? Emplacement de recrue, rang de recrutement. Ah, c'est pas de ma faute si vous suivez pas hein, sur le chat. Hein. Alors, moins 30% de recrutement pour les généraux. Ah, c'est ça marrant ça, un truc pour recruter des généraux. Col royal des officiers. Marrant. Et ça demande... Oh putain ! C'est quoi ce truc là ? Une troupe ? Alors non, je sais pas ce que je voulais lancer.
Il n'y a pas de Shosho City. Hein, alors, bonne question. Est-ce qu'on peut renommer autre chose que les villes majeures? Non, on dirait pas. On peut renommer les généraux, probablement. Si, on peut la renommer, là. Allez, hop. Shosho City, voilà. Rien de si ça, si c'est pas beau, Nardinus. Bon, j'avoue que c'est planqué, peut-être que les gens l'ont pas trouvé, mais... Mais c'est possible. Alors ici, ce serait bien qu'on fasse quelque chose pour le bonheur. Gestion. Bonheur plus 2 avec un atelier d'artisan, ok. Main d'œuvre. Tribune du crieur. Comment on sait notre main d'œuvre? Deux unités de main d'œuvre inactives, ok. D'or moins 25%, c'est pas un problème. Coût de recrutement moins 6 grâce à l'hôtel. Très bien. Donc on a deux mains d'œuvre qui foutent rien, donc on peut potentiellement construire deux bâtiments qui demandent de la main d'œuvre du coup. Bureau du percepteur, production de toutes les ressources dans cette province 5%. C'est pas mal, mais je pense qu'un peu de bonheur, ce serait mieux. Et le seul bâtiment, non, il y a le centre de réfugiés qui donne du bonheur et de la croissance et de la nourriture. Mais c'est que plus 1. Alors que là, l'artisanat, visiblement, ça marche bien. Des genres de figurines. Ça, on va faire ça. Et une petite école d'officiers, ça peut être sympa, mais c'est peut-être pas une priorité dans la capitale. Ça va être bien, je pense. Ah, il faut deux mains d'œuvre inactives pour faire ça. Et là, du coup, j'en ai un oisif. Plus 1. Mais du coup, je suis en train d'en consommer une ici. Si je fais ça. Je peux le refaire le bâtiment? Ouais, je peux le faire, donc c'est consommé instantanément, ok. Guerrier à la hache et lancier phrygien. Beaucoup de choix, hein. Refaire un petit temple. Un peu plus de bonheur. Bonheur plus 3, c'est pas mal en fait ça. Petit bonus de production et un peu de faveur et un peu de bonheur. Allez, on va partir sur de la religion. Bon, en tant qu'à faire, on va le coller là. C'est comme un gros pamphlet de gestion de ville. Ouais, carrément, ouais. Là, on voit, j'ai dépensé du coup mon bonhomme, là. Deux bonhommes pour ça, donc maintenant c'est mort, je peux plus rien faire, quoi. Est-ce que ça compte dans les autres? Oui, ça compte dans les autres aussi. Donc la croissance, c'est pas un truc qui vient comme ça et qu'on a, c'est vraiment... Ça donne des bonhommes, et les bonhommes après ils nous servent à construire des bâtiments, des employés quoi. Bon rugby Acta, j'espère que l'équipe que tu soutiens va gagner. C'est intéressant. Là j'avais même pas fait dans mes tests, j'ai même pas été jusqu'au gameplay de ville parce qu'il y avait tellement de trucs à faire que j'ai même pas regardé. Pourquoi ça te dit action restante 2? Bah parce qu'il me reste deux trucs à faire. Normalement on peut les voir là. J'ai un décret royal et je peux construire un avant-poste. À Tousa. En vrai, je peux en construire un peu partout, mais. Un petit avant-poste économique pour booster nos ressources, ça peut être pas mal, hein, je pense. On a quoi d'autre? Avant-poste religieux, on a déjà. Ça va éviter les villes à Total War ou Warhammer où toutes les villes sont pareilles. C'est assez vrai. Ah, on peut avoir une tente de résistance au siège améliorée là, c'est cool ça. Mais c'est pas du tout le même endroit. Si? Non, c'est pas du tout le même endroit. Alors attends. Ah non, c'était à... En Cuba que je pouvais construire ça. Ça c'est bien pareil. Avant-poste militaire. Si, c'est pareil, c'est ça. Avant-poste économique, c'est les mêmes. C'est juste pas présenté pareil. Administratif, le monument étude et le poste de passage. Économique, c'est le comptoir. Ok, si c'est ça. C'est juste pas présenté pareil quand on clique là parce que ça c'est rouge. Ça fait penser à du militaire, mais en fait pas du tout.
Mais on a pas mal de pierres, donc on va se fendre d'un petit comptoir commercial dans notre capitale. Et ça, ça coûte pas de main d'œuvre par contre. De construire des trucs. Alors est-ce qu'à Shosho City on peut construire des trucs cool? Un fort utile, entretien des unités en fort, moins 0,5. Ouh, c'est bien ça. Temps de résistance au siège et de la garnison. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Annule et montre-moi le petit pin, voilà. Du lancier d'Anatolie en armure. Ah oui, en plus c'est pas la garnison de Piu-Piu quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Toujours un avant-poste économique. Je vais pas faire d'autant. Est-ce que c'est dans la région? Bah, on peut faire que des hôtels d'Arima qui sont certes bien, mais... Genre là, on fait 5% de nourriture en plus, ça nous sert à rien, quoi. On fait du bois ici. Et là, on fait de la pierre. Mais c'est dans toute la province. C'est marqué. C'était marqué région ou province? Province. Province, c'est les 4? Bah, du coup, province, normalement, c'est les 4. Et donc, région, ça va être juste ça. Il faut protéger Shosho City avec des guerriers en armure. C'est vrai, tu as raison. On va faire un avant-poste militaire avec un promontoire. Protégeons Shosho City. C'est intérêt d'être joli. Attention à la quête, hein. Si c'est pas joli, ça va chier. on a les décrets à faire. Alors, les décrets. Des plus longs festivals, bonheur plus 3 dans la province de capitale de faction, ok. Croissance de manœuvre plus 3 dans toute la faction, à l'instant ça c'est pas mal. Ça nous débloque plus de bois. Alors il y a des flèches. Hein. Ça, ça va par là, mais ça, ça va par là. Il y a des endroits où c'est pas intéressant. Passement de dévouement à la divinité. Ok. Civique. Manœuvre une fois temple terminé plus 3 dans toute la faction. Ah oui, la Nardinus, c'est pas seulement les premiers tours, c'est LE premier tour. On a fait toute une vidéo découverte. Toute une session découverte du jeu. Des nouveautés, du gameplay, etc. Et là, on commence... On a voté pour le seigneur à choisir. Et là, c'est vraiment LE premier tour. The One, quoi. Un peu d'XP pour nos troupes, ça me plaît bien, on va prendre ça. Merci Akkad, je valide. Le saint trop style. Ça donne envie. Est-ce qu'on peut faire des files d'attente? J'ai pas l'impression. Contrôle, non. Shift, non. On peut pas, a priori. Ok. Et salut Arnarine, bienvenue sur le live. J'espère que ça va bien. Alors la question c'est, est-ce qu'on se tente un assaut sur cette armée là? Ça dépend de la valeur de ton armée. Bah je pense que c'est la même armée que celle qu'on a déjà affrontée. La sous-estime pas cette fois. Ouais voilà, et je l'avais un petit peu sous-estimée on va dire. On joue le marsupilami. Exactement, on joue Sipululuma. Dit Supi. Dit le marsipulami par Choupiti. Alors Zikino, déjà c'est Shosho City, s'il te plaît. Hein, soyons précis dans les termes. Et il y a plein de chocolateries, ça c'est certain. Mon cœur d'historien saigne un peu. Ton cœur d'historien saigne. Et pas de chocolaterie au temps des Hittites, c'est ça que tu veux nous apprendre? Ça a légèrement 2600 ans d'avance, mais c'est pas grave. Tu verrais la tronche que fait Shobiti là. Je vois les larmes dans ses yeux. Ah, ça va. On va aller jouer Empire Total War, c'est tout. J'ai bien envie de m'en débarrasser parce que je sais pas ce qu'elle va faire. Elle a quand même pas mal de mouvements. Hein. Est-ce qu'on peut genre faire des embuscades ou genre de trucs? Campement. Raid, embuscade. Et marche.
25% il faut, donc on pourrait se placer dans la forêt clairsemée là. Onwards. Voilà, on se met dans la forêt et hop là on fait l'embuscade. Et s'il attaque le fort, et ben on perd notre fort. Voilà. il nous reste une action. On peut construire encore des trucs. C'est vrai qu'on peut construire des trucs tant qu'on a des ressources, hein, après tout. Hein. Donc un coup à, on pourrait faire quoi? Production 10% de pierre en plus, c'est pas la priorité. Immunité contre l'usure du désert. Mettre enfin le taux de mouvement restant en pourcent et en direct, c'est beau. Il y avait déjà ça dans les Warhammer, je crois. Je fais douter, mais... On va faire un peu de religieux ici. Par contre, ce que j'ai pas regardé, c'est est-ce qu'on peut recruter là? Est-ce que je peux prendre le mec qui est dedans? Comment je fais pour prendre le mec qui est dedans? Avant-poste. Je veux le sortir. Oui, mais si j'ai pas envie de le faire. C'est gentil, mais... J'ai envie de m'arrêter là. Ah ok, ça m'a... rien qu'activer le rappel, ça m'a activé le fin de tour, très bien. Là, j'aimerais bien voir comment on fait pour voir la troupe, mais... Elle vient peut-être avec, parce que c'est un général, donc il est peut-être de base dedans. Et là, on peut lancer du recrutement. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a les unités autochtones du coin. Un peu de milice. Efficace contre les projectiles. Ok, on a déjà du char. Quelques lanceurs de javelots, ça serait pas un mal. Hein. Il nous dit qu'on va être dans la merde. Forcément, on est déjà dans la merde. Donc, sinon, de l'épéiste. Guerrier à la hachitite. Homme des tribus. Lancier hittite. Recrutement spécial. Ok, ça c'est pas tout de suite. J'ai bien envie de prendre quand même deux petits javelots histoire d'avoir de quoi harceler un peu, ça pourrait changer la donne. Allez, on va passer le premier tour. Coucou toi. J'ai pas regardé la diplomatie d'ailleurs, parce que normalement on est censé avoir des vassaux. Eux ils sont bleus, j'imagine que c'est des vassaux. Alors, ok, ils vont plutôt attaquer le truc, c'est ça? Piller un peu, j'imagine. Et il se barre. Alors, est-ce qu'il a fait un truc? Alors, cadeau amical. Transmettez ce message à mon monarque, mon dieu, mon soleil. Vous avez filé 98 pierres, ok, très bien. Nouveau objectif de victoire, waouh. Il y en a quelques-uns. Rapport de reconnaissance. Intrusion étrangère. Il rôde autour de Chocho City. Donc notre avant-poste a été mis à sac. Est-ce qu'il faut le réparer? Oui, visiblement. On peut pas le réparer. Ah la vache! Le fumier. On peut pas le réparer. Ça va se payer ça. Et on a recruté de l'ancien. Donc là on est un petit peu plus dans le mal là. King of Hattie. Bah il s'est replié par là-bas, il s'est mis en marche et il s'est replié par là-bas. Alors on va regarder un peu notre diplomatie quand même. La cour est disponible quelques tours après avoir choisi une tradition royale. Elle devient disponible au bout de quelques tours et il faudra choisir un héritage, très bien. La diplomatie. On est ennemis avec eux, les envahisseurs. On a des accords d'échange avec Tuana, ok. Partage d'accès militaire et Tuana est un vassal. Ok, donc en fait on a un seul vassal et c'est lui. Les autres ils s'en branlent de notre vie quoi. Donc lui c'est le méchant. Alors qui est a pénétré sur nos terres du coup? Celui-là. Inamical, d'accord, très bien. Apprécie les vassaux. Agressif, manque d'unité.
âme guerrière. Ok, c'est des mecs, ils sont pas là pour être très très gentils quoi. Alors qu'est-ce qu'on pourrait négocier avec eux? Peut-être un petit échange. C'est marqué en bas, ils ont pas de nourriture. Ils ont pas de nourriture, mais nous non plus. Ça nous arrange pas des masses. Tout le reste. Non, c'est l'inverse. Cette faction lui accorde, donc on pourrait leur demander de la nourriture éventuellement. On peut aller plus vite que ça. Shift, Alt, Ctrl, non. Bon. Mettons 170 par exemple pour compenser. Et il voudrait de la pierre et du bois. Oh bah ça va être rentable tout ça. On va mettre 20 de pierre et. 20 de bois, 20 de pierre. Voilà. On peut choisir, ça c'est le nombre de tours j'imagine. 8 tours par exemple. Ça veut dire quoi qu'on va donner. On va donner 30 de bois et 20 de pierre contre 170 de nourriture. Pendant 8 tours ? Pendant 8 tours. D'accord. Pourquoi ? Ça va l'aider un peu à devenir plus sympathique. Alors, vous proposez, il propose. Ultimatum. Non, on va pas faire un ultimatum. If you insist. Voilà, ça va permettre d'augmenter un petit peu plus les trucs. Mine de rien, notre petit plus 5 de la hache, là, il permet que ça augmente. Hein, là. Et du coup, maintenant, on est en positif avec notre nourriture. Ça nous permet de maintenir notre armée le temps au moins que notre bâtiment se fasse. Alors... tac tac tac, comment on retourne là, Annelie. Est-ce que les gens veulent être vassalisés? Personne ne veut être vassalisé bizarrement. Non, en vrai, moins 20, c'est pas si inenvisageable. Hein. Ah, et du coup, si on fait négocier, on a direct le truc, c'est cool. Bon, après, je fais ça, mais je sais même pas qui c'est lui. Hein. Il est collé à nous quand même. Il a collé à notre autre vassal. 68ème. Ok, bon. On va pas s'affoler. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est ceux qui sont en guerre contre nous, est-ce qu'on les connaît ? Alors attendez, verrons ça. Ouais non, on peut pas, on les connaît pas, les envahisseurs Gascas là. Ça doit être genre de horde. Mais vu la force qu'ils ont, il y avait une. Quand on les a vus dans la. Dans l'interface là de fin de tour, ils avaient une force moitié à la nôtre quoi, donc c'est pas. J'ai perdu le bouton pour sortir d'ici. Zut. Où est le petit plus caché? It is most extraordinary. Et donc par contre ça c'est toute une seule faction ça. Ils sont un petit peu trop forts à mon goût. En plus ils ont notre ils ont une cité à nous. Were you expecting qui vous a humble subject, my king? On est son roi, fantastique. Fantastique, fantastique. Il est en guerre contre Kanesh, qui est celui qu'on envisageait de vassaliser, d'accord. J'imagine que si on te propose d'être vassalisé, t'es pas du tout fan de l'idée. Et si on te fuit des trucs... Ah non, tu t'en branles, t'es pas prêt à être vassalisé pour un petit peu de bois étrangement. Rejoindre une guerre, déclarer une guerre, rompre la vassalité, il n'y en a pas, rompre un corps d'échange, il n'y en a pas, échange de région. Est-ce que tu acceptes de me filer ça? 87, ah, c'est pire quoi. Un pacte non agression, ça pourrait être envisageable pour
Ouais. Tiens, ça marche pas ça, l'échange ponctuel, l'équilibrage. Ouais, y a ça aussi, le fait qu'on peut voir tous les trucs. Bon, alors le problème, c'est le con là. Où est-ce qu'il s'est barré ? With me. Non, il s'est mis en marche forcée et il a complètement disparu quoi. Là, normalement, il devrait faire la gueule. You have done nothing to be intrusion, ouais. Il y a un espion chez lui ? Bah, le problème, c'est qu'il faut 200 balles. Ah oui. Pour l'informateur. Et l'accès immunitaire, c'est mort quoi. Tant pis, on va se balader un peu hein. King of Hattie. Bon, bah va falloir qu'on investisse du coup. On a niveau croissance, on a un de main d'œuvre. Donc on peut potentiellement faire des bâtiments à 1, ouais c'est ça. Un petit puits pour avoir plus de croissance dans la province, ça serait pas mal. Hein. La croissance m'a l'air d'être un problème assez... ça va être tendu à gérer quoi. On va faire un petit peu à la fois de croissance, de nourriture et de bonheur avec un centre de réfugiés à Shosho City. Shosho City, est, elle est du genre... du genre à aider son prochain. On va booster les ressources et là on va booster les ressources, voilà. Ça me paraît pas mal d'avoir un centre commercial dans toutes les provinces en vrai. Par contre c'est vrai que cette faction là a aucun moyen d'utiliser sa force militaire quoi pour le moment. C'est complètement... Il a l'air d'être entouré par des gros morceaux quand même. Ouais, il est entouré par des gros morceaux, mais surtout on est leur roi quoi. Donc ça le fait pas de déclarer la guerre à l'un d'eux quoi. S'ils attaquent Shosho City, ça change la donne, on est d'accord. On les défonce. Si quelqu'un attaque Shosho City, on le défonce, de toute façon, il n'y a pas de... Eux, c'est qui ? C'est censé être... Parce que t'es un sujet rebelle ? Dis-moi tout. Es-tu un sujet rebelle ? Il est agressif. Mais à part ça, il est pas particulièrement rebelle. Est-ce qu'il y a des gens qui accepteraient un pacte de non-agression ? Non. Pas vraiment. Et du coup, notre vassal, il nous aime comment ? Il nous aime bien. Et on lui file 80 de pierre et il nous file 50 de bronze, d'accord. C'est bon à savoir. Donc on donne quand même pas mal de pierre pour le moment. Action restante. Bah on a une structure endommagée, ouais alors. Est-ce qu'on peut réussir à obtenir de l'or peut-être de quelqu'un ? Alors, quelqu'un... aurait de l'or. Il y a les Ougarites hein, qui sont un petit peu loin. Alors, il a beaucoup d'or. Ouais, mais voilà, l'or c'est cher. Hein. Si on en demande 5, histoire de commencer à compenser un peu et on lui file du bois. Ouh, il a beaucoup besoin de bois. 10 de bois contre 5 d'or, ça me paraît tout à fait rentable. Pendant 10 tours. Allez, c'est parti. On va pouvoir commencer à récupérer un peu et ça il faut combien pour le réparer ? 79. Ah ouais, ça nous a coûté hyper cher de les laisser se balader les mecs. Hein. J'avais un peu peur qu'ils viennent raser ça mais je pensais pas que ça serait à ce point là le prix. Bon bah c'est parti. Passons le tour. Plus 5 par tour, ça va te coûter... Ah ouais, c'est ça pique. Hein. Qu'est-ce que tu fais à Shosho City ? Qu'est-ce que tu fais à Shosho City ? Il passe en mode raid le mec, c'est la teuf. À mon avis, il y a un roi qui va pour
sacré mouvement. Ok, on va aller le défoncer. Sécheresse dans les hautes terres occidentales. Bon bah, c'est bon. Production de nourriture en soufre. Mais par contre, lui là. Alors est-ce qu'on peut lui dire, mec, t'arrêtes tes conneries ou tu te casses? Alors, confédération, vassalisée, alliance, accès militaire. Je peux pas lui dire de partir. My blade strikes true. Ça c'est un peu abusé par contre. Genre le mec il vient sur mes terres, il fait du raid et je peux même pas lui dire mec dégage. For Hattie's glory. Alors il s'est mis pile hors de portée, est-ce qu'il va se replier du coup? Non, il est en marche forcée, il peut pas se replier. Voilà, c'est mieux comme ça. Et du coup avec nos deux javelots, on est déjà un peu plus costaud. On va voir ce que vaut la résolution auto. Alors toutes les unités indiquées en rouge seront détruites. Je perds mes chars. Non. Je perds des troupes, mais elle est pas rouge. On va vérifier. Oh, le coup de genou là. Pas de petites décapitations, c'est normal. Ah, les petits qui vont prendre cher quoi. On n'a pas de blood, de mode blood encore. Ok, donc les chars sont pas morts, mais effectivement c'est eux qui ont souffert quoi. C'est ce qu'indiquait le truc. Ils ont fait le taf, 200 morts. On va prendre le moral. Je me dis que c'est pas mal. My people come first. On va commencer à se déplacer vers monsieur connard là. Hein, on va prendre le bonus de déplacement du coup. Si on va chercher 8, on gagne ce truc là, qui nous donne encore plus de bonus de déplacement. Pour toutes les armées dans la région. Ah, sympathique. On n'a rien débloqué. J'ai un autre bouclier moyen ordinaire. J'ai deux boucliers moyens ordinaires, d'accord. Pourquoi pas. Exactement, j'ai le choix entre un bouclier moyen ordinaire et un bouclier moyen ordinaire. Ça c'est le truc de bâtiment. Un recruter, un général. 300 pour recruter, 300 pour l'entretien. Ah, on a un aperçu de ce qu'ils font, c'est cool ça. Mais lui, visiblement, il peut pas le récupérer. Est-ce qu'on a une liste de nos armées quelque part? Servant of the people. Résumé de la faction. Colonie, armée 1, ouais ok. Pas considéré comme une armée, donc ça veut dire que c'est vraiment pile poil la guerre, c'est vraiment la garnison quoi. Il doit venir avec un général dans ce truc là et on peut y rajouter des troupes en plus. Si on veut. Par contre l'autre il nous casse les 1. Du coup on a pas de croissance à cause de ces conneries. Non mais va falloir qu'il arrête quoi. On a gagné un bouclier ordinaire qu'on avait déjà, pas de chance. On a terminé notre temple, mais vu qu'il y a l'autre qui nous emmerde, bah ça sert pas à grand chose. Ouais, on a que lui en général, ok, c'est ça. Attendez, mais on a un truc ici? Non, on a rien ici. Pourquoi c'est contesté? C'est une terre sacrée, Hittite. Ah, ok. Ah oui, contester, c'est toutes celles qu'on n'a pas en fait. D'accord. C'est pas celles qui sont un peu pas et pas. Ouais. Il va falloir faire quelque chose contre lui là. Ah, on peut améliorer une colonie.
Fournir des garnisons, ça nous coûte 100 de pierre et 35 de bois. Ouais, on va faire ça. Bah oui, il y a une structure endommagée, très bien, j'en suis conscient. Est-ce que ça s'auto-répare? Ça s'auto-répare visiblement. Oh, le truc qui pique les fesses quoi. Sachant qu'en plus si on le construit. Sanctuaire rocheux là. Ah, je peux pas en faire. Donc c'est un bâtiment unique. Il nous a pourri un bâtiment unique quoi. Le saligo. Le saligo. Noble of heart. Nos chars ils se refont. Noble ils se refont king. Ça c'est cool, ça se refait bien. C'est toujours ça de prix. Par contre, bon, là visiblement la bataille auto a l'air de beaucoup servir des chars. Hein. Je crois que moi j'ai pas réussi à en perdre un seul pendant ma bataille par rapport à toutes les autres troupes quoi. Bon bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter l'épisode de VOD là parce qu'il est largement assez long. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, allez-y, faites un petit coucou, je bois un coup. Si vous voulez dire au revoir à la VOD, Katox, n'hésite pas. Et des bisous. Merci à toutes et à tous et à très vite pour la suite.